Dans le dernier épisode, on a obtenu la paravoile, et dans cette vidéo, on va finir le plateau à 100% et essayer de tuer le Linel qui s'y trouve avec un caillou. On a terminé le plateau, mais c'est pas fini. Voilà, on va aller au sanctuaire... Attendez, je viens de réaliser un truc extrêmement important et très très relou. Pitié... Oh, ce serait vraiment chiant. Oui! Yes! En fait, on n'avait pas besoin de faire cette recette. Voilà, voici le doublé, ce qui nous permet de résister au froid. C'était très courte introduction. En fait, on pouvait la voir en donnant la recette au vieil homme, mais en fait, fallait qu'il soit ici. Voilà, il était là au bord du feu. Oh, je fais la cuisine. Et fallait aller le voir. Et en fait, j'ai oublié d'aller le voir et j'ai directement fini le plateau. En fait, ça change pas grand chose puisque maintenant on a le doublé et on peut aller dans la zone du froid. C'est où que je veux aller du coup? Moi, c'est vraiment là. Alors, on peut y rentrer par ce petit chemin. Voilà. Oh, attendez, est-ce qu'on ferait pas un truc super stylé là? Si. Salut mon pote! C'était sympa en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh ah oui, d'accord. Je vais prendre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a bien du stuff sympa par ici. Ouais. On vient d'avoir un espadon de chevalier à 38, ce qui est vraiment une très très bonne arme en vrai pour le stade où on est. On a même une épée de soldat encore, mais waouh! Bah j'ai bien fait d'aller ici, hein. Ça c'est sûr. Du coup, j'aimerais bien faire un peu la chasse au Kurogu. On lui garde un coffre, hein. Je propose qu'on l'élimine. Ciao. Oh, il y a des flèches électriques. On va les prendre. Oh, un arc de soldat à 17 qui en attaque plus 3, ça c'est chouette. 5 flèches électriques. Oula, j'ai eu le cul un peu froid. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit pote qu'on va devoir aller sauver vite fait. Oui. Ah, on est bon là? Oui, ok, on est bon. Je me suis dit, non, je vais pas pouvoir le trouver. Ok, 5e Kurogu. Du coup, dans cette zone, je suppose qu'il y en a d'autres. Hein. Je me rappelle plus exactement de où ils sont, mais je sais qu'il y en a d'autres. Vous savez quoi? On va se re-téléporter au sanctuaire au-dessus, parce que pour l'instant, je pense que dans cette zone, on a tout trouvé. En fait, là, mon objectif avant de partir, ce serait d'avoir... je crois qu'il y a 18 Kurogu sur le plateau. Ah oui, il faut qu'on ouvre ce coffre. Allons voir ce petit coffre qui m'a l'air, ma foi, sympathique. Oh, je l'ai poussé. Tain, mes pieds sont énormes, en fait, mes gros panards. Allez, c'est bon. Reviens, oh, on y est presque. Yes. Pour tout ça pour un truc d'opale brut. Je sais pas si c'était rentable. Oh, il y a même un coffre du DLC, ça c'est cool. Alors j'avoue que je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais la dernière fois on a eu un rubis brut, ça peut être un peu n'importe quoi. Ah, ça c'est un Kurogu là-bas. Oh, des flèches explosives, ça c'est très très bien. Alors on va aller voir ce petit truc de glace très suspect, si vous le permettez. Voilà. Et bah ça marche vraiment bien. C'est la limite. Si je fais ça juste... Ouais, si je fais ça, ça marche. Ah non, attendez, si je prends une torche. Si je prends une torche, ça marche encore mieux, non? Ah, voilà. Voilà. Brûle. Ah, mais il est très petit, le Kurogu, dis donc. Et oui, je t'ai trouvé mon petit pote. Pas que j'oublie qu'il faut que je sauvegarde souvent parce que c'est on est en mode expert. C'est vraiment très chill, hein. J'avais un peu oublié ce que c'était de se balader dans Breath of the Wild. Ça fait un an et demi que quand je joue, je prends pas le temps en fait de regarder un peu autour de moi dans le jeu. Même si j'ai déjà joué une fois en mode découverte, bah en fait c'est bien aussi des fois. De rejouer au jeu, à son jeu préféré, mais pas en jouant comme si tu savais très bien ce que tu faisais. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais de rejouer, essayer de rejouer au jeu comme si tu jouais pour la première fois. J'ai adoré speedrunner le jeu et j'ai surtout adoré y jouer. Et en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas juste joué au jeu sans rush de partout et sans aller vite, faut que j'aie la créature divine, vite machin. Ça fait du bien de prendre son temps en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon temps sur ce jeu. N'empêche, ça doit être sympa d'avoir appris le 100% par cœur parce que tu peux juste 100% le jeu de mémoire. Ça, c'est vachement cool. Faut juste profiter dans ce jeu. Franchement, ce jeu, c'est vraiment juste tu explores de partout et tout. Ouais, ici, c'est pas un Kurogu, je me rappelle, il y a une fois où j'avais vraiment passé, genre, je sais pas combien de temps, à être là en mode mais le Kurogu, réveille-toi! Mais en fait, il y en a pas. Ah. Bon, du coup, ça, c'est ce genre de plaque, on peut malheureusement pas les faire tournoyer, enfin, partir très loin avec des bombes, forcément avec une arme. Salut! Oh, je l'ai envoyé jusque là-bas, vache! Bonjour, petit monsieur! Ça nous en fait 8. Salut le rocher! Alors, est-ce que le rocher, qu'est-ce qu'il va faire lui? Juste boing. Il va falloir qu'on fasse pas mal de sanctuaires en vrai pour avoir de l'endurance comme ça. Ah, c'est encore le Kurogu ici? Eh, vous êtes paqués les potes! Ouais, ce côté-là par contre, on n'a pas exploré du tout. Ça, c'est tout ce qui nous reste. Je suis allé un peu dans le bois tout à l'heure, mais il nous manque tout ce côté-là, niveau Kurogu. Et il y a aussi deux Kurogu ici. Enfin, un seul Kurogu que je vais chercher. Oh, une feuille, tu m'as trouvé! Eh oui, il nous en manque 8. 8 Kurogu. Là-bas, ouais. En vrai, là, ce qu'on peut faire, c'est aller checker tout ça. Hein. Ah, c'est ici le Kurogu, en fait. Alors, monsieur Kurogu. Donc, ça, c'est notre 11e Kurogu. C'est ça. On s'approche doucement des 18. Alors, je sais pas pourquoi j'ai 18 en tête, mais je pense qu'il y en a 18. Enfin, je me trompe sûrement. Hein. Bon, je vous propose qu'on s'attaque directement à un monsieur pas beau. Pas beau, pas gentil. Nous allons nous attaquer au Litorok, mesdames et messieurs. Attention, réveille-toi, géant de pierre. Ah merde, il m'a fait tomber. Et on tombe, tac, il faut qu'on reprenne notre endurance. Et voilà, avec le marteau c'est hyper simple. Le marteau c'est une arme qui fait des dégâts multipliés par je sais pas combien sur les Litorok. Donc ça va assez vite. Hop là. Ah mais y'a rien ici? Non. Je me rappelais vraiment qu'il y avait un truc ici pourtant. Et ici du coup dedans il y a une fleur, c'est ça. Donc ça c'est celui auquel je pensais dans la forêt justement. Donc on en a 12, il nous en faut 6, j'en pense encore un autre, ça nous fait 5.
Il y a quoi ici? Juste des œufs? Juste des œufs. Vous savez quoi? Pendant qu'on est ici, on va en profiter. On va parler à la déesse Ilia, du coup. Un cœur en plus ou plus d'endurance? Moi, je serais d'avis pour un cœur en plus. En fait, non, j'allais dire un cœur en plus pour faire plus de windbomb, mais en fait, il me faut plus d'endurance. L'endurance, c'est vraiment le truc à prendre au début. Et voilà. Alors, ça va peut-être pas assez là. Où est-ce que je voulais aller, moi? Ah oui. Ici. Je pense qu'ici, il y en a deux des Korogu. Combien y a-t-il de Korogu dans le plateau du prélude? Vous aurez 19 noix Korogu à récupérer. Ok, en fait, c'est pas 18, c'est 19. Il y en a un qui est par là-bas, qui est au niveau de cette zone de boue que j'ai pas pris tout à l'heure. Hop là. Ah, vous voyez, on voit Vamedo au loin, là. Là, dans ce petit coin, là, ce petit coin où il pourrait vraiment y avoir un petit Korogu qui a décidé de se mettre là et d'hiberner, là. Ah, mince. Bon, attendez. Ce que je vais faire, juste pour débloquer le Korogu du Sanctuaire de la Renaissance, c'est que je vais faire ça. Voilà. Ouais, Royaume d'Hyrule. Wouhou. Genre, tu descends du plateau et bam, t'as ça. C'est vachement sympa. Alors, maintenant, on peut aller ici, et du coup, on aura normalement un Korogu, j'espère. Sinon, je sais pas comment on l'a. Ah, bah voilà. C'est le 15e, du coup, c'est ça? 15e. Très bien. Bon, du coup, il nous en reste 4. J'avoue que là... Après, j'ai vraiment visité tous ces trucs-là, hein, et j'ai rien trouvé. Hein. Vraiment, on va soon sortir la soluce, hein, mesdames et messieurs. On va soon sortir la soluce, hein. Que j'ai envie d'avoir les... Oh, oui. On en a un. Yes. Alors, hop là. Oui. Alors, ça fait 17, 16. Il en faut encore 3. Ah, on en a encore un ici. Ça m'étonne que je l'ai pas déjà trouvé, lui. Je me rappelle bien pourtant de lui. Juste pas passé devant, en fait. Alors, pour être exact, il y a 17 noix sur le plateau, pas 19. T'es sûr de cette info? Parce que j'ai... Attends, regarde. Dans cette première zone, vous aurez 19 noix Korogu à récupérer. À noter que 2 noix se trouvent à la frontière entre le tour du prélude et le tour des Géminées. Ah ouais? Donc, en fait, là, j'ai toutes les noix du plateau? Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille en récupérer une qui est ici, qui est vraiment à la bordure du plateau. Et c'est pareil pour celle-là. Donc, on va aller récupérer celle-là. Et donc, officieusement et officiellement, on aura toutes les noix du plateau. Parce que là, bon, on en a 17, c'est toutes les noix du plateau, mais il y en a vu qu'ils sont à la bordure, ça en fait 19. C'est une situation complexe. À part ça, rien du tout. Alors. Oula, 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 qu'est-ce que... Bah, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors ça, c'est une surprise. Donc si tu rentres dans la cascade, ça te fait des dégâts, carrément? J'ai envie de retester. Ça te fait des dégâts. Je pense qu'en rentrant dans la cascade, en fait, il y a toujours de l'eau, et qu'on la voit pas. Le froid de l'eau, ouais, c'est ça. Bon. Salut. Et puis bon, toi, en vrai, vous savez quoi? On va prendre un petit peu l'espadon Caruso et on va lui éclater la gueule. Salut mon pote. Bisous. Oh! Vous avez vu? Ça marche pas avec un bokoblin, c'est dommage, mais on a réussi avec le bokoblin. Du coup, si jamais j'aime pas le modifier, je peux... Oh non, je suis dans l'eau. Vite, 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 vite. Ouais, merci mon pote. Ok, je suis dans l'eau. En plus, je vais récupérer les flèches de glace. Ouais, c'est des flèches de glace, c'est ça. Alors, et voici, officieusement, du coup, et non pas officiellement, la dernière noix Korogu du plateau. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est... Oh la vache, j'ai failli mourir. Vous voyez, en fait, vu qu'on est en dessous du plateau, et ben en fait, ça compte. Le 19e Korogu. Yes. Et voilà, nickel. On est bon pour le plateau. Du coup, j'ai réussi à configurer le gyroscope. Voilà, parce que ça marchait pas dans l'épisode précédent. Hop, on va aller ici et on a un caillou. Pas n'importe quel caillou, on a un caillou un peu bouger avec Magnétis. Et donc ce caillou, on va le ramener vers le Linel et on va essayer de le tuer avec. Alors j'ai regardé une vidéo très rapidement de comment est-ce qu'il faut faire. Pas comment est-ce qu'il faut faire, mais plutôt comment quelqu'un l'a fait. Et ça a l'air vraiment faisable. En tout cas, ça a pas l'air trop compliqué. Et avec le... Voilà, avec la manette, je peux vraiment faire boum 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 comme ça. Monsieur le Linel est juste ici. Alors, si je fais ça, est-ce qu'il me voit? Oui, il me voit. Ok, c'est parti. Bonjour monsieur. Eh bien, c'est un bon début. J'ai pas réussi à le viser dans le menton. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je vais voir si je peux pas prendre la porte qui est plus proche. Alors, est-ce qu'il y a la porte ici? Oh non, la porte a disparu. Ah, du coup, ça veut dire qu'il faut amener le caillou vraiment de tout là-bas, quoi. Et on est de retour. Ok, il m'a pas vu. Enfin, moi, je le vois pas non plus, du coup, mais... Ok. Non. Oh, attends, mais les chauves-souris m'ont fait dodge. Bon, vous êtes vraiment très relou. Et il se régène en plus. Il va falloir le réattirer par là-bas. Oh, la vache. Je suis pas là. Ah, c'est impossible. Mais en vrai, il faut avoir de la chance, là, pour qu'il y ait pas de chauves-souris. Allez, pitié, monsieur le Linel. Laissez-moi vous casser la gueule. Ouais, là, c'est bien moi, mon pote. Tu m'as bien vu. Tu m'as bien regardé. Oh merde. Ok, ça va. J'arrive pas, hein.
Oh merde, je l'ai fait trop tôt. Pff, je suis tendu, hein. Ah non! Oui! On a réussi! Et voilà! Oh! 106! Et regardez l'arme qu'on vient d'avoir en fait, c'est énorme! 32 et c'est en x5! Je pense que j'ai la meilleure arme du jeu. No joke, j'ai la meilleure arme du jeu là. Je peux pas avoir mieux quoi. 106, c'est incroyable. Un arc à 32 en x5, mais c'est dingue. Je fais cette aventure en live sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à venir me suivre en appuyant sur le petit bouton en forme de cœur pour être au courant de mes prochains lives, où vous pourrez voir le contenu des prochains épisodes en avant-première et interagir avec moi pendant le stream pour passer un bon moment et m'aider à finir le jeu à 100%.